20 janvier, 16h56, le Talmud, Hercule Concrarès. Jean-François Hollandus, personnage imaginaire, va à l'hôpital. L'éducateur dit: la prochaine fois, on porte plainte pour coups et blessures. Frédéric pense. Fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais en me tapant. Tu as cassé mes lunettes. Frédéric retourne à Grignan chez ses parents. Qu'est-ce que c'est? Gnangnan. Frédéric et sa sœur Stéphanie ramassent les feuilles de l'arbre qui sont dans le jardin. Ensuite, Frédéric se fait engueuler. Ensuite, son père Bernard, complètement bourré, frappe Stéphanie et Frédéric et la mère de ses enfants. Christine prend le téléphone et essaie d'appeler les gendarmes. Mon père casse le téléphone. Quelques jours après, l'assistante sociale Corinne Toussé vient dire qu'on a appelé la police. Il paraît que vous frappez vos enfants. Mon père répond: ça doit être la voisine qui a encore appelé la police. Il dit: je vais tuer la voisine. Et moi, je réponds: ne. Je ne crois pas que je vais te donner un alibi. La prison est le meilleur alibi. Frédéric prie Dieu Jésus-Christ pour que son père sorte du purgatoire pour aller au paradis sur terre pour me faire sortir de l'hôpital psychiatrique. Frédéric répond: c'est pas moi qui ai téléphoné de ma chambre, qui est téléphoné de ma chambre. Ne crois pas que je vais te donner un alibi. Frédéric et Stéphanie diront que la voisine a dit des conneries. Nos parents sont super gentils. Frédéric pense que c'est normal que les enfants m'entendent pour protéger les parents. Oui, ils ont frappé ma sœur et moi. On a frappé ma nièce. Et Jean-Claude a menacé ma sœur de lui refaire le portrait. À ma sœur, Frédéric et le curé de Poitaval. Ma mère, elle pleure. Mon fils va devenir un délinquant. Frédéric dit: nourri, logé, blanchi aux frais du contribuable, va faire de la prison, voler pour vivre. Frédéric et Stéphanie sont à la piscine à Grignan. Il y a un garçon qui emmerde ma sœur. Le garçon répond: c'est pas moi, tu t'es trompé de personne. Frédéric pense: méfiez-vous de Bella. Ensuite, Bernard Mèche monte dans sa BM. Crétine monte dans sa voiture et ils vont chez le juge pour les enfants et ils demandent le divorce. Et Frédéric pense: nous, pour échapper au juge pour violence sur enfants, si on n'est pas puni, comment on sait si ce qu'on a fait est mal?
Il faut interdire le secret de la confession, il faut interdire le secret professionnel.